Arriver à gagner des choses à la marge, nous ne sommes pas là pour arriver à gagner des miettes. Nous voulons une vraie annonce du retrait définitif de ce projet de réforme à point. Nous n'en voulons pas, la mobilisation est là pour le dire. Encore une fois, public, privé, jeunes, retraités, privés d'emploi ont manifesté massivement, donc 38 000 personnes dans la rue. En l'espace de quelques jours, ça montre que la dynamique de reconduction du mouvement, la dynamique des assemblées générales, la dynamique des réunions dans les services est en cours. En fait, ils veulent privatiser les retraites comme ils ont privatisé beaucoup d'autres choses, comme ADP, comme plein de choses. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a tout un soulèvement dans ce pays parce que les gens se rendent compte que ce n'est pas du côté de Rivière et Thatcher qu'il faut chercher la justice et l'égalité sociale. Donc nous, on sera là pour amplifier le mouvement, se mettre en grève et tout bloquer jusqu'à ce que ce projet soit retiré. Voilà. Nous avons compris qu'il s'agit de détruire nos droits collectifs pour gagner moins en travaillant encore plus longtemps au bénéfice des fonds de capitalisation. Cette régression sans précédent n'est ni amendable ni négociable. Le gouvernement doit immédiatement retirer sa contre-réforme destructrice de nos 42 régimes de retraite que nous défendons. Salariés, la colère gronde à la vue du projet Macron. Retraités, oui, 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 maltraités, non, 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 imposons d'autres solutions. Retraités, oui, 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 maltraités, non, non, non.